quand il est trop sûr de lui, ça me... Non. T'aimes pas trop, quoi. J'aime pas. Quand il est trop sûr de lui, il est sûr qu'il va... Genre, on va dire à la phase du flirt, quand on va me dire, ouais, bah, vas-y, en tout cas, dans on va dire 2 mois ou je sais pas quoi, c'est bon, t'es à moi. Alors que, genre, il m'a jamais vu en vrai. Il sait pas comment je suis en vrai. Il connaît pas mon caractère. Tu viens juste de commencer à me parler, tu dis déjà ça. Pour moi, c'est trop... Ouais. En fait, t'es trop sûr de toi, j'aime pas. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait fuir chez un homme physiquement? En vrai, physiquement, rien, parce que je regarde pas trop le physique. C'est quoi que tu regardes en premier physiquement, toi? Les yeux, vraiment les yeux, ouais. C'est quelle couleur des yeux? Pas la couleur. Comment tu te comporterais, toi, en tant que vraie femme? Je sais pas trop, mais... En fait, ça fait tout, c'est tout dans le mental. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, moi, tant que t'es mature et que t'as... Ouais, en fait, tant que t'es mature, en vrai, ça fait de toi une femme. Pour moi, c'est ça, hein. Une femme fatale, tu dirais plutôt? Sans la maturité, tu peux pas être une vraie femme. Sans. Est-ce que c'est différent, une vraie femme et une femme fatale pour toi? Oui, c'est une grosse différence. Après, je sais pas ce que ça veut dire femme fatale, mais pour moi, c'est une grave. Femme fatale, c'est une femme qui fait un peu la star, qui sait sa valeur. Bah, elle se la pète, quoi. Ouais, femme fatale. Bah voilà, bah non, c'est pas du tout la même. Parce qu'une femme, elle est peut-être sûre d'elle et tout, mais elle va pas se la péter. Et toi, à combien sur 10 tu serais une vraie femme et à combien tu serais une femme fatale? Une vraie femme, je peux dire, on va dire un 8. Mais femme fatale, on va dire 0.